Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle box à unboxer aujourd'hui et ce sera pour mesdemoiselles Gaïa et Vanny. Donc vous connaissez maintenant la Woobox, c'est celle du mois de juin et regardez le regard fuyant de Gaïa qui fuit toujours l'évidence. Voilà, on va par ici cette fois-ci, des fois c'est par en haut, des fois c'est par en bas, des fois c'est derrière. Là, on se dirige vers là-bas et on ne regarde absolument pas la Woobox. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous aimez ce contenu, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo et en activant la cloche. Moi, ça me fait plaisir et c'est entièrement gratuit. Je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. On va faire un petit topo très vite fait dessus, si vous le voulez bien, mesdemoiselles. Je pense qu'elles sont d'accord. Donc la Woobox est une box dédiée aux chiens et vous avez la Miaou Box dédiée aux chats. Et à l'intérieur, vous avez quelques produits à découvrir et à faire découvrir à vos bestiaux. Donc, regard fuyant, regard fuyant, regard fuyant. Même pas elle me regarde. Oui, c'est de toi que je parle. Donc, il y a des accessoires, des jouets, de la nourriture, des choses comme ça. Voilà, c'est un petit peu varié. Je crois que c'est 5 ou 6 produits, je ne sais plus. Vous avez également un fascicule à l'intérieur. Vous pouvez tester, je vous mets mon code promo en barre d'infos. Enfin, c'est un code de parrainage. Vous le faites et je crois que la première box est à 9,90€, il me semble. Hein, voilà. Et moi, pareil, ça me fera un petit truc aussi. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Il faut que je regarde sur mes mails. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, c'est parti. Pardon, je ne vous ai pas dit le prix. Moi, je la paye 19,99€, je crois, ou 95 par mois. Et voilà, c'est un engagement à l'année que je paye tous les mois. Je ne sais pas si je me suis engagée, en fait. Je ne sais plus. Bref, c'est parti. On va découvrir ça avec les nénettes. Hop là! Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vous montre très vite fait comment elle se passe. Bon, elle a l'air bien remplie. Ouais, ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, il y a des produits qui ne leur conviendront pas, je le sais d'avance. Mais c'est pas grave parce que je sais qu'il y a un petit preneur quelque part en France, du côté de la Bretagne. Alors, on va commencer avec le premier produit que je pioche. Là, je regarde même pas le retour écran. Ah, ce sont des gourmandises, ouais. Ce sont des gourmandises de la marque Woobox. Donc Woobox a sorti justement des gourmandises tout simplement. Je vous ai emmené avec moi sur la terrasse, donc on a les mouettes qui s'éclatent juste au-dessus de ma tête, j'espère qu'elles ne vont pas se lâcher. Donc je vous disais, Woobox a sorti sa marque de friandises et je crois même de jouets, il faudra qu'on vérifie. Et là on a, écoutez, sur le thème de la plage, un paquet de friandises. Alors je ne sais pas à quoi il est, ingrédients, poulet 33%, riz, collagène et protéines, lipides, matières minérales, fibres, etc. etc. Alimentation recommandée, 6 à 10 friandises par jour. Ok, regardez la tête de Gaïa. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Pas vous dire. Donc écoutez, on va commencer par les friandises. En général, les friandises Woobox, ça passe très bien. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a un zip à l'intérieur, donc pour garder la fraîcheur, c'est au top. Par contre, j'ai oublié de prendre des ciseaux. Ah, ça s'ouvre assez facilement quand même. Je suis en nage. Voilà. Oh. Ouais, ça sent bon, mais ça sent fort en fait. Donc, voilà comment ça se présente. Je sais pas si la luminosité sera bonne, hein, mais bon, en tout cas, elles ont senti, elles ont commencé à sentir. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, on va voir si elles valident ou pas. Hein. Je vous montre. C'est des petits cercles comme ça. Est-ce que tu aimes, toi? Ça passe. En général, ça passe très bien. Et toi, Vanny? Non, mais ça, c'est mon doigt. Merci. Bon, écoutez, ça m'a l'air de très bien passer. Encore? Encore. Un check? Check. Fais check. Check. Allez, écoute bien. Vanny, c'est pas la vanille. Bon, ça c'est validé. Hein. Voilà, validé. Je pensais que ça aurait une petite forme de planche de surf ou de ballon, mais non. Non, non, tout simplement des petits donuts. Ok, très bien. Allez, c'est parfait, on continue. Bon, allez, le gros produit. Alors, on a une petite gourde comme ça. De promenade, en fait, vous remplissez la bouteille et vous la soulevez pour faire couler le liquide dans la petite gamelle qui est là. Et voilà, c'est à emporter partout. Il y a une petite dragonne ici. C'est de la marque Woobox également. Donc, c'est combien de contenance ça? Il n'y a pas écrit dessus. Oh, ça a l'air d'être un 33, un 25.
Enfin, je pense que c'est un 25 centilitres, mais bon, voilà. Ça, on va pas l'utiliser. Tout simplement parce qu'on vient d'en recevoir deux. Une bleue et une rose pour les pépettes. Donc, on va pas l'utiliser. Et puis, on va faire cadeau aux copains. Hein? Ensuite... Ah, allez, encore des gourmandises. Et là, c'est de la marque Sanal. Tabons, Chicken and Beef, Dog Treat, Vitamine, Meat. Ok, donc bon, écoutez, c'est 100 grammes de gourmandises comme ça, en forme de petits nonos. On dirait des os à moelle. On va voir. On va ouvrir. Ouais. Ça m'a l'air d'être anglais, je connais pas du tout la marque. Ça pue la charcuterie en fait. Regardez comme c'est. En tout cas, ça a l'air de mettre en appétit ces demoiselles. C'est entre mou et dur. Alors ? Elle se jette pas dessus non plus. Elle se jette pas dessus, mais elle le mange. C'est du bœuf, donc très bien. Toi, tu manges tout, toi. Ouais, sans problème. Ah, Gaïa, s'il te plaît, ferme la bouche quand tu manges. C'est très désagréable. Ça colle aux dents ? Ça a l'air de coller aux dents. C'est un peu comme des élastiques de slip. C'est ça? Alors? Ouais, sans problème. Ok, validé 300%, il n'y a aucun souci. Ok, bah écoutez, très bien. 100 grammes. Là, il y a combien de grammes dedans? Il doit y avoir 100 grammes également. Non, 75 grammes. C'est des bons contenants quand même. Enfin, moi, j'ai des petits chiens, donc ça me va très bien. C'est vrai que peut-être que pour un gros chien... Ah oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs tailles de box entre guillemets. Enfin, la box elle fait toujours la même taille, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça correspond à la taille de votre chien. Vous avez minus, petit ou moyen et géant, voilà, un truc comme ça. Vous avez les critères de sélection et vous sélectionnez selon le profil que vous avez fait pour vos chiens et vous recevez des trucs adaptés. Donc c'est vrai que moi c'est plutôt des petites bouchées quoi. Mais il a l'air très très bon, hein? Ouais. Allez, donc ça ce sera pour le copain. Bah, du coup je vais regarder ce que je prends. Allez, maintenant je prends un jouet en forme de magnum. Trop trop mignon. Donc c'est une petite glace, on va dire Morito, avec des petits os dessus en relief. Et bien sûr, voilà. Ça fait couic-couic, ouais, t'aimes pas trop. Hein. Donc c'est de la marque Camon Jacopo Percani. Donc ça c'est joué pour chien. En vinyle, 15 cm. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu gros pour leur mâchoire, mais de toute façon, elles s'en foutent parce qu'elles ne jouent pas avec. Donc c'est réglé, ça va aller au petit copain. Voilà, mais sinon l'idée est bonne, hein, mais en gros c'est que la bouffe qui les intéresse. Et toi? Non. Alors en général, comme je vous dis, il y a un accessoire, mais c'est pas tous les jours. Là c'était, enfin c'est pas tous les mois. Là il y avait celui-là, la gourde. Un jour on a eu un collier antipuce. C'est ça un collier antipuce, hein? Ouais. Ensuite on a eu des sacs à crottes. C'est bien aussi. Voilà. Ensuite encore un petit jouet. Alors celui-là on va le garder parce que il est en forme de clap. De cinéma et pareil, hein, c'est un peu quick. Je vais pas le garder pour elle, je vais le garder en écho pour mon setup. Donc il y a dessus il y a écrit France Production Woofbox réalisateur caméra date scène et fer de la marque Fusillard. Donc Fusillard c'est une marque qui collabore certainement avec Woofbox. Fipette, il y a écrit Fusillard à côté, mais Fipette c'est fabriqué en Australie, non en. C'est désigné en Australie, on va dire, designed en Australie, créé enfin, en Australie, mais c'est fabriqué en Chine, en fibre de polyester. Voilà, bon. Ouais, c'est lavable en machine, tout ça, mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, moi, ça ne sera pas un jouet pour chien, ce sera un objet déco parce qu'elles s'en foutent. Voilà. Donc là, clairement, Gaïa, il n'y a plus à bouffer. Enfin, dans son esprit, il n'y a plus à bouffer, donc ça n'intéresse pas. C'est dommage, je suis à contre-jour, j'aurais dû peut-être me mettre comme ça. Et le dernier produit, c'est ça. Je vous ai même pas montré le magazine. Bon, je sais pas où il est. En fait, j'ai ouvert la box chez moi. Donc, le dernier produit, c'est ça. C'est un morceau de viande séchée, je pense, à mâcher. J'ose même pas, ça pue. Ça pue, mais un truc de dingue. Mais je pense que ça va plaire. Ça passe tout seul, là. Donc on va voir si je peux le couper. Ah oui, je peux le couper. Bon, on va faire goûter ça. En fait, vous avez une sorte de bâtonnet en tissu ou je sais pas quoi. C'est peut-être comestible. Et par-dessus, vous avez une sorte de peau
accrochés, quoi. J'en ai plein les ongles. J'ai des croquettes plein les ongles. Et de la peau comme ça, plein les ongles. Bon, et vous, vu que vous êtes deux, moi je partage, hein. Voilà. Oh, c'est goûtu. Ça aussi, c'est validé. Sans aucun problème. Ouais, si, si, ça se mange aussi l'intérieur, d'accord. Je pensais que ça se mangeait pas. Hop. Tiens. Voilà. Bon, ben voilà, c'est validé. Je n'ai pas le magazine. Bon, ma fille a dû le prendre parce qu'elle aime bien. Il y a les bébés chiens et tout dessus. Ouais, non, bon, voilà, j'ai pas. Tiens, pour toi. Bon, j'espère que ça va pas les faire péter parce qu'après, ça pue. Bah écoutez, c'est une box qui, dans son intégralité, a convenu à mes critères. Maintenant, au niveau des jouets, ça ne convient pas aux critères de mes chiennes, mais ça reste particulier à mes chiennes parce qu'elles sont acariâtres et que mesdemoiselles ne jouent pas. Non, non, non. Voilà. Oui. Ça pense qu'à la bouffe ici. Voilà. Voilà ce qu'il y avait. Donc, les produits validés, ce sont ces deux-là. Là, ce mois-ci, pour le coup, ça, ça ne va pas me servir parce que je viens d'en recevoir deux. Mais sinon, j'aurais été très contente. Mais bon, après, c'est comme ça. Hein. Voilà, donc ça, très bien. Et puis, les jouets, bah, pareil, je trouve que c'est quand même très, très bien de les recevoir, même si ça ne convient pas. Si j'avais eu un chat, ça ne serait pas convenu. Mais ça aurait convenu, mais je ne lui aurais pas laissé. Toujours pareil. Mais voilà, les jouets, quand on a aussi des chats, en plus des chiens, ça peut peut-être convenir aux chiens, aux chats, si ça ne convient pas aux chiens. Alors, on peut les recycler. Ou faire cadeau aux copains ou dans les chenilles, SPA, etc., etc. Voilà, bah écoutez, les filles ont l'air ravies. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et dites-moi en commentaire quel produit vous a le plus conquis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une nouvelle box ou un autre contenu. Bye bye.